Bonsoir à tous, vous qui êtes présents dans cette église Emmaüs en ce mercredi pour la catéchèse de Mgr Macaire. Bonsoir à Mgr Macaire. Merci au groupe Vie et Partage Adulte qui nous accompagne ce soir. Bienvenue aussi aux auditeurs de Radio Saint-Louis, Radio Massabiel et Radio Saint-Gabriel. Également à ceux de l'Hexagone, Radio Maria, Radio Espérance, RCF Méditerranée. Et depuis ce mois de décembre, surprise, les Parisiens nous ont rejoints. Donc bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame qui bénéficieront aussi des catéchèses de Mgr Macaire. Bienvenue aux web téléspectateurs de la télé Saint-Louis et aux téléspectateurs de KMT qui nous retrouvent le dimanche dans les échos de l'Église catholique. Nous continuons, c'est la catéchèse numéro 8 du cycle « L'univers visible et invisible ». Monseigneur, c'est à vous. Nous allons nous confier à l'intercession de Maman Marie en cet avant. Donc je range mes feuilles parce que... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine de miséricorde, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors je crois qu'aujourd'hui on devait avoir en visite les groupes de la miséricorde, mais ils ne sont pas très nombreux ou très présents. On a dû leur dire qu'il y avait un examen à la fin. Ça doit être pour ça. On ne vous a pas dit à vous qu'il y avait un examen à la fin. Mais en fait, c'est un examen. Pour ceux qui le veulent, c'est à la fin de l'année. Mais ils ont dû comprendre que c'était à la fin de la catéchèse, je pense. Parce que ceux qui suivent cette catéchèse, elle donne droit régulièrement. Ceux qui suivent régulièrement la catéchèse ou qui simplement vont consulter le podcast, donc je vais préparer un examen à la fin de l'année, ce qui permettra à chacun d'avoir une petite attestation théologique, puisque c'est quand même un petit cours de théologie de fondamentale pour mieux comprendre la foi chrétienne, ce qui permet aux animateurs de chorale, aux responsables de groupes de prière, aux catéchistes, etc., d'avoir des éléments, d'avoir un enseignement régulier. Donc comme cet enseignement est donné, voilà, qu'il donne lieu à une petite attestation. Ce sera bien, puis ça permettra à chacun de réviser sa leçon, surtout que Radio Saint-Louis fait le grand effort de mettre ses catéchèses à la disposition donc sur le site de la radio, sur la chaîne YouTube de Radio Saint-Louis, enfin bon, un lot bagaille. Ah, puisqu'elle est parisienne, il faut traduire, un lot de bagages. Alors, aujourd'hui nous allons aborder... les statues et les images, icônes ou idoles, lorsque le visible devient signe de l'invisible. Mais avant ça, une petite, un petit rappel de l'épisode précédent. Donc nous sommes toujours, toute cette année, en train de comprendre cette phrase « Je crois en l'univers visible et invisible » que nous disons dans le credo. Et dans cette deuxième partie de catéchèse avant Noël, il y a une première partie en septembre, où nous avons essayé de distinguer tout ce qui est visible et invisible. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'éternité, le temps, l'invisibilité de Dieu, la visibilité du corps, mais l'invisibilité de l'âme, etc., etc. Bon, vous vous en souvenez peut-être, sinon vous allez faire référence. Et puis, on a commencé à explorer ce que j'ai appelé l'univers invisible, tout près de chez nous. Hein, celui qui est à portée de notre main, notre compréhension, notamment la dernière fois dans la liturgie comme communion du visible et de l'invisible. Et on a commencé par parler de la liturgie céleste dans laquelle, selon le livre des Hébreux, Jésus-Christ, aujourd'hui, dans l'éternel présent, dans l'éternel aujourd'hui, qui n'est pas dans le temps, Jésus-Christ est le grand prêtre par excellence entre Dieu et les hommes, lui qui est 100% homme et 100% Dieu, c'est lui qui fait éternellement le lien entre Dieu et les hommes. C'est d'ailleurs pour ça, dans la liturgie, que toutes nos prières se terminent par cette phrase,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Voilà. Donc tout ce que nous demandons au Père, hein, parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. C'est-à-dire, le prêtre, c'est celui qui fait le lien entre les hommes et Dieu. Voilà. Et Jésus est ce grand prêtre dans le ciel. Et donc, nos liturgies de la terre doivent être considérées tout le temps, toutes nos prières, mais nos liturgies, la messe en particulier, comme une participation. Nous prenons part à cette liturgie céleste. Sinon, elle n'a aucun sens. Hein, c'est un rite qui est à la limite magique. Voilà. Hein, c'est un rite, ça reste humain. On y reviendra aujourd'hui largement dans le thème un peu particulier que je vais aborder. Tout ce qu'on fait reste un effort de l'homme pour aller vers Dieu et qui n'atteint pas. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour aller vers Dieu, sincèrement, voyez ? Il n'atteint pas son but, sauf si Dieu lui-même nous attire à lui. Il va récapituler toutes choses dans le Christ. Et la liturgie, c'est le moment où nos gestes humains, notre vie humaine est récapitulée dans le Christ, grand prêtre éternel dans le ciel. Vous allez lire, enfin vous avez déjà lu, puisque vous avez suivi la semaine dernière l'Épître aux Hébreux. Et donc, cela se vit sur terre. Quelle est la forme de ce lien, de cette participation au ciel ? Comment ce que nous faisons, nous disons, les gestes, les paroles, etc. ici, participe à cette liturgie céleste. Bien, c'est ce qu'on appelle les sacrements, qui sont des signes visibles de la grâce invisible. Et voyez, on est bien dans ce thème, les signes visibles d'une grâce invisible. Quand je dis « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ça s'entend, ça se voit, le geste se voit, c'est charnel, etc. Mais Dieu, par ce geste visible, audible, réalise une grâce invisible dans l'âme de cette personne qui est baptisée en lui donnant la grâce de l'adoption filiale, en disant « tu es mon fils ». Oui. C'est dingue, hein, c'est extraordinaire, quoi. Dieu a donné à l'Église d'être son corps, le corps du Christ. Et donc, c'est dans le Christ, c'est la logique de l'incarnation, j'y reviendrai beaucoup aujourd'hui. Parce que le Christ s'est fait chair, le Verbe plutôt s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est-à-dire l'Éternel a habité parmi nous. C'est le premier mystère, le grand mystère de la foi. Hein? Lui qui était Dieu, il a habité parmi nous. Pas possible. Ben oui, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. C'est ce que l'ange dit à Marie au jour de l'Annonciation. Comment cela va-t-il se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Et voilà un signe, ta parente Élisabeth qui était stérile attend elle aussi un enfant. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Or, Dieu a voulu cette union entre le visible et l'invisible par l'incarnation, hein, elle veut dire incarner, ça veut dire entrer dans la chair. Il est venu dans la chair. Voilà. Il y a un deuxième agent de l'économie des sacrements, c'est-à-dire l'économie sacramentelle, ça veut dire la façon d'être et d'agir de Dieu en ce monde, c'est l'Esprit Saint, évidemment. Donc c'est dans le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père, par lui, avec lui et en lui. Nous agissons dans les sacrements, dans la liturgie, par lui, avec lui et en lui. Sinon, c'est nul et non avenu, ça ne sert à rien, tout cela n'est que simagré. Aucune de nos prières n'a de valeur si elle n'est pas par lui, avec lui et en lui. Deuxièmement, et d'ailleurs les prières de toutes les séances du monde, voilà, si ce n'est pas par lui, avec lui, en lui, ça n'a aucun effet finalement. L'Esprit Saint maintenant, qui agit toujours, qui est à l'œuvre dans le monde, hein, et l'Église est d'une certaine façon le corps de l'Esprit, hein, elle est le corps du Christ dans l'Esprit Saint, hein, c'est la Pentecôte. Donc l'Église elle-même, c'est-à-dire le corps du Christ, notre assemblée, notre communauté, voilà, est la communauté de grâce composée à 100% de pécheurs, vous et moi, et pourtant l'Esprit Saint est à l'œuvre, la parole est proclamée, des hommes et des femmes sont sanctifiés, sont rendus saints par l'Esprit Saint. Et puis ensuite on a détaillé les symboles, qui sont les signes et les symboles, qui sont ce lien, qui font ce lien entre le visible et l'invisible. C'est un donné anthropologique, alors je vais y revenir dans la catéchèse d'aujourd'hui. Hein, c'est un donné, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de signes. Nous sommes des êtres charnels et nous avons besoin d'éléments charnels. Nous avons besoin de voir quand quelqu'un nous aime, notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents,
nous avons besoin de signes de cet amour. Voilà. Alors ces signes, ce sont des gestes, des paroles, des « je t'aime », ce sont des cadeaux, hein, Noël arrive bientôt, ben, ce sont des cadeaux, ce sont des signes. Ça ne veut rien dire si on y réfléchit. Si on vous offre un cadeau et c'est quelqu'un d'hypocrite, ben, ce cadeau... Par contre, si c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, vous le savez, ce cadeau a un sens. Vous voyez, c'est un signe, ce n'est qu'un signe. Et pourtant, il a besoin d'être interprété. Donc, Dieu va utiliser cet élément de notre qu'il a lui-même placé en nous. Nous avons besoin des signes pour accéder à quelque chose d'invisible. L'amour est invisible. On ne peut pas voir l'amour. Si on découpe quelqu'un en morceaux, on ne verra pas qui il aime. Si on découpe un ordinateur, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Mais un être humain, non. Donc, l'amour est invisible. Et pourtant, il se verra quand même par des signes. Et le plus grand signe d'amour de tous les temps, c'est le signe de la croix, lorsque le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Et il a voulu donner un signe de cet amour. Donc, c'est un mode d'expression de Dieu. Dieu nous parle par toute la création. Il nous parle par des signes, le bon Dieu. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Vous voyez, il ne vient pas directement dans mon esprit pour... Non, il parle par des signes. D'ailleurs, Romains 10, 17, la foi naît de l'écoute de la prédication. J'ai besoin d'entendre ce signe qu'est la parole. La parole est un signe. Si je parlais chinois, ce que je parle couramment, vous ne comprendriez pas. Parce que c'est un signe qui n'est pas en vous. Et donc, le signe de la parole est un signe qui est efficace, puisque de ce signe visible, plutôt audible, donc sensible, charnel, qu'est la parole, va naître quelque chose d'invisible qui s'appelle la foi, et qui est une grâce et qui vient de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Hein? Bon. Donc la parole, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dieu parle, la création, donc je vous disais ça, le buisson ardent, c'est un signe, la nuée lumineuse, etc. Vous voyez, il parle, il sait qu'il doit envoyer des personnes, des prophètes. Hein, d'ailleurs, les Juifs disent à Jésus, donne-nous un signe, et Jésus va donner des signes, hein, des noces de Cana, jusqu'au signe de la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'au miracle de la Pentecôte et dans les actes des apôtres, il donne des signes, mais ce ne sont que des signes, attention. Le miracle ne nous impose pas la foi. Même s'il y a des gens qui ont vu tous les miracles de Jésus, ils n'ont pas cru pour autant. Ils ont vu la multiplication des pains, ils n'ont pas cru pour autant. Le miracle est un signe, c'est-à-dire il n'est compréhensible que pour et par celui qui aime, en fait. Celui qui fait confiance. Celui qui fait confiance. C'est comme si un homme très riche offre une bague somptueuse de 1000 diamants à 1000, ça serait un peu lourd peut-être, mais bon, voilà, d'un diamant le plus pur à quelqu'un, mais si cette fille ne l'aime pas, le signe ne sera pas efficace. C'est pour ça que Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, ton amour t'a sauvé, c'est la même chose. Donc, c'est très important de comprendre ça pour comprendre la question qui nous sera posée tout à l'heure. Donc, paroles et actions, les chants, les musiques, etc., ce sont des signes, des images saintes, on en parlera aujourd'hui. Les temps liturgiques, le temps de la liturgie, on est dans l'Avent, c'est le premier temps liturgique de toute une année. Et sur une année, on va vivre tous les mystères de la foi chrétienne qui se sont pourtant déroulés en plusieurs décennies. Non, c'est en une année, de Noël de Noël, du premier dimanche de l'Avent jusqu'au Christ roi. On va vivre la Pâque, la Pentecôte, tout ce qui c'est la naissance de Jésus et sa mort et sa résurrection. Il y a eu 33 ans entre les deux, mais nous on va le vivre en une année. Bon. Parce que notre temps liturgique est une imitation de l'éternité, où il n'y a plus de temps, mais nous sommes quand même dans le temps. Donc il y a cette imitation qui fait que le temps passe plus vite, hein, dans la liturgie. Parfois, on prend notre temps. Par exemple, à la Semaine Sainte, on avance pas à pas avec Jésus. C'est le même temps, comme si on voit un film qui a duré 3 heures, ou qui a, pour le coup, 3 jours, et le film dure vraiment 3 jours. Alors que sur certains films, en 1h30, on balaie 150 ans, vous voyez, parce que ça nous raconte une histoire qui est... Voilà. Mais là, non. L'Évangile est comme ça, la liturgie parfois accélère, parfois elle ralentit, parce qu'on a besoin du temps de vivre. Parfois même, elle fait une pause. Après Noël, on fait une pause pendant 8 jours. On s'arrête que sur le mystère de Noël pendant 8 jours. Ou à Pâques. Il y a 8 jours, on médite Pâques. L'octave. Ouais, bon. Ça, c'est la liturgie. Alors maintenant, on va. Ma question d'aujourd'hui, même si elle était un peu prévue, elle est liée aussi à une lettre que j'ai reçue d'une jeune fille qui s'appelle Jeanne, on va l'appeler comme ça,
C'est une jeune fille qui est en classe dans un lycée. Elle est catholique, mais elle est en classe dans un lycée adventiste. Et donc, elle a quelques questions à nous poser, à poser à la foi catholique, qui est la foi de ses parents et sa foi aussi, mais des choses qu'elle ne comprend pas, et justement sur les choses visibles par rapport à la foi invisible. Donc j'ai trouvé intéressant de prendre cette question. Il est écrit dans Exode 20, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas. » Bon, voilà, avec guillemets, fin de la citation. Mais dans l'Église catholique, il y a des statuettes représentant Jésus sur la croix, la Vierge et beaucoup d'autres choses. On prétend nous enseigner ce qui est écrit dans la Bible. Il est aussi, alors un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Voilà, le Vendredi Saint, j'ai fait le chemin de croix, j'ai beaucoup aimé ça. À la dernière station, il fallait se prosterner devant une statue de la Vierge. J'ai été marqué. Comment un être humain peut-il s'agenouiller devant un objet sans vie ? Je suis dans une incompréhension. J'ai voulu en savoir plus, et dans la Bible, il est écrit que l'on ne doit ni adorer ni se prosterner devant des images taillées. Bon, bonne question. Excellente question. Ça veut dire que cette enfant, cette jeune Jeanne, en plus elle me pose à moi dans la lettre qu'elle m'envoie, elle a besoin de savoir avant de faire sa confirmation, elle a raison. D'abord, il nous faudra comprendre, Jeanne et à tout le monde, que la Bible, j'espère, la parole de Dieu ne se contredit pas. Il est donc, si j'en crois Exode 20, chapitre 4, Exode 20, verset 4, pardon, il ne faut pas faire d'image taillée, ni de ce qui est au ciel, ni de ce qui est sur la terre. J'y reviendrai à cette citation. J'ai pris la citation telle que cette jeune fille me l'a envoyée. Cependant, en Nombre 21, le Seigneur parle à Moïse et lui dit « Façonne un serpent en bronze que tu placeras sur un étendard. » Alors pourquoi Dieu demande à Moïse de faire un serpent en bronze ? Ça ressemble à une idole d'Égypte en plus, à mettre sur un étendard. Plus loin encore, dans Exode, donc ça c'est en Nombre 21, pardon. Plus loin en Exode 25, Dieu demande à Moïse de représenter des anges en or en plus. Hein. Tu feras deux chérubins d'or repoussés, tu le feras aux deux extrémités du propitiatoire, donc c'est on va dire le couvercle de l'arche sainte. Fais l'un des chérubins à l'extrémité, l'autre chérubin à l'autre extrémité. Hein, tu feras, en faisant corps avec le propitiatoire à ces deux extrémités, voilà. Les chérubins ont des ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes, c'est-à-dire un peu pour garder l'entrée de l'arche. Bon, enfin l'entrée, le couvercle de l'arche. Vous voyez, avec une description très précise. Alors pourquoi Dieu demande à Moïse de représenter quelque chose qui est sur la terre, puis quelque chose qui est au ciel ? Eh bien, allons relire le premier texte. Que nous dit le premier texte ? Tout le monde, ça va, vous suivez ? Aujourd'hui, on ne prend pas le catéchisme de l'Église catholique qui pourtant commente l'Écriture, mais j'ai pris, compte tenu des questions de Jeanne, qui sont très intéressantes, j'ai pris le texte reçu. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les cieux, au-dessus de la terre, et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, Exode 20, 4, 5. Oui, quel est le commandement de Dieu ici ? De ne pas adorer comme Dieu ce qui n'est pas Dieu. Voilà le commandement. Ce n'est pas un commandement, charnel, qui consiste à ne pas faire d'image. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir la photo de sa maman, vous voyez, puisque c'est une image de quelqu'un qui est au ciel ou sur la terre, si je fais l'image de ma maman. Dans un livre, il ne faut pas que je représente dans un livre ou des images ou une statue, etc., parce que sinon, c'est pas ça que Dieu dit, puisque à ce moment-là, c'est une réalité charnelle. Il dit, ne doit pas adorer les images taillées. Et effectivement, au temps de la loi, j'irai un peu plus loin tout à l'heure, au temps de la loi juive,
eh bien, les Juifs eux-mêmes qui sortaient d'Égypte avaient toutes sortes de petites divinités qu'ils considéraient comme des porte-bonheur magiques. Alors là, non. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Donc c'est un commandement. D'abord, même dans l'Ancien Testament, pour l'instant, je ne suis qu'à l'Ancien Testament, c'est un commandement spirituel. Tu ne dois, on n'adore que Dieu. Tout ce qu'on adore et qui n'est pas Dieu est idolâtrie. C'est tout. C'est une idole. Donc, à ce moment-là, les images taillées ne sont plus des idoles, mais des icônes. J'y reviendrai. Une icône, c'est quelque chose qui va porter mon regard vers l'invisible. Quand je prends l'image de ma maman, la photo de ma mère, je sais que ce n'est pas ma mère qui est sur cette photo quand même. Je suis assez intelligent. Mais elle me fait penser à cette personne qui peut-être est dans l'autre monde, est décédée ou vivante, mais loin de moi. Donc on parle bien d'un acte spirituel. Mais pourtant, cette photo, je la respecte. Si quelqu'un dérespecte, prend la photo de ma mère, on en a déjà parlé dans ses catéchèses, la déchire, crache dessus, la foule aux pieds, je dis, mais respecte ma mère. Je dis, mais c'est pas ta mère, c'est une photo. Oui, mais quand même. C'est tout à fait normal dans notre cœur d'hommes et de femmes. C'est pas fait pour des catholiques, des adventistes, des baptistes ou des je ne sais pas quoi. C'est nous tous, des êtres humains, nous avons besoin de signes, on y revient, visibles, qui nous parle de nos relations invisibles, si vous préférez, de notre religion invisible. Ce qui est condamné dans l'Écriture, ça, c'est tellement évident, ce sont les idolâtres, c'est-à-dire des personnes qui croient que Dieu est dans l'objet, dans l'image de l'objet, vous voyez. Dieu serait dans telle statue, dans telle image, etc. Ce n'est pas ça qui est... Deuxième question, je vais revenir un peu sur un peu plus tard sur ce qui est posé par Jeanne. Alors, c'est sûr, bien sûr, c'est sur le sabbat. Au quatrième commandement, il nous est institué le jour du repos, qui, selon la Bible, dans la parole de Dieu, est le samedi. Mais l'Église catholique, c'est le dimanche. Or, le dimanche, en ayant fait des recherches approfondies, dit toujours Jeanne, c'est le jour du soleil. Donc, nous ne respectons pas ces commandements. Alors, c'est une bonne question aussi. Dieu est maître du temps. Si l'on prend les textes païens, évidemment, le dimanche, ce sera le jour du soleil. Et d'ailleurs, tous les jours, même le samedi, on va trouver quelque chose de païen. Mais si on prend la Bible, il faut lire la Bible avec la Bible. Eh bien, ma chère Jeanne, la Bible, c'est le jour où Dieu a créé. C'est le jour de la création. Ce n'est pas le jour du soleil, ça c'est dans les textes païens. Mais dans la Bible, le premier jour de la création, le jour où on est passé du néant à l'être, où Dieu a inauguré la merveille de la création. Et non seulement c'est le premier jour, le dimanche, de la semaine, le premier jour. C'est aussi le huitième jour. Une fois que tout est accompli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on reprend quelque chose de tout à fait nouveau, parce que le Christ, dans sa résurrection, vient renouveler complètement notre vie. Quelqu'un qui rencontre le Christ, il peut être le pire criminel de la terre, il y a quelque chose, c'est comme s'il était renaît. C'est ce que Jésus dit à Nicodème en disant, nul ne peut être sauvé s'il ne renaît pas de nouveau. Donc il y a une nouvelle naissance, nouvelle création, d'où ce premier jour, qui n'est pas le jour du soleil dans les rites païens, mais le jour de la résurrection. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est pour cela que, depuis les apôtres, acte 20, verset 7, c'est le premier jour de la semaine que les chrétiens se réunissent pour prier. C'est plus l'ancienne loi, la loi du septième jour et du sabbat et du repos, le jour de la mort, justement. Le septième jour, c'était le jour de la mort. Dieu se reposa, mais c'est le jour où le Christ est mort. Il était au tombeau. Il est mort le vendredi, mais le samedi, il a été au tombeau toute la journée. Or, le huitième jour, ou le premier, le nouveau premier jour, si vous préférez, c'est le jour du salut. Vous êtes des fils de la lumière, dit Saint Paul aux Thessaloniciens, des fils du jour.
Nous ne sommes plus de la nuit, mais des ténèbres. C'est pour ça que ce n'est que le dimanche que les chrétiens ont toujours célébré la foi. Alors cette jeune fille, un peu plus loin, me dit « Je souhaite distinguer ce qui est vrai et faux ». Et voilà pourquoi c'est intéressant pour nous qui réfléchissons sur l'univers visible et invisible. Les commandements sont-ils charnels ou spirituels? Sont-ils une question de nourriture ou de boisson? Alors, je peux vous donner des tonnes de citations de saint Paul qui a passé sa vie, sa prédication, à lutter justement contre ce retour à une loi charnelle de nourriture, de boisson, de « on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela ». Tous les textes de Paul, et c'est intéressant d'ailleurs que notre chère Jeanne ne nous donne que des textes de l'Ancien Testament, d'une loi avec des commandements. Mais saint Paul dit attention, si vous voulez respecter les commandements, il faut tous les respecter. Il y en a 613. Il faut tous les respecter sans exception, sinon vous allez être condamnés. Ne choisissez pas celui-là plutôt que celui-là. Donc il est clair là-dessus. En fait, il leur dit, mais non, la loi est pédagogue. Hein. Les commandements sont spirituels. Il faut comprendre l'esprit de ces commandements. Hein. Que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture, de boisson, en matière de fêtes annuelles, de nouvelle lune et de sabbat. C'est écrit comme ça, donc en Colossiens 2,16. Que nul ne vienne vous critiquer pour des questions de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ, dit-il. C'est-à-dire, la loi, c'est l'ombre, elle n'est pas mauvaise, mais elle est juste une ombre qui annonçait une religion de l'esprit. De l'esprit. Que personne n'aille vous en frustrer en se complaisant dans d'humbles pratiques, etc. Alors, un peu plus loin. Du moment que vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des ordonnances, hein, des ordonnances, c'est-à-dire des règles, les règles de la loi juive, comme si vous étiez dans ce monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, c'est écrit. Tout cela, ce sont des choses vouées à périr. Voilà bien des prescriptions et des doctrines des hommes. Ces sortes de règles peuvent faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité et d'humilité qui ne ménagent pas le corps. En fait, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Que veut dire saint Paul, qui est un peu énervé, hein, surtout pour les Galates, hein, il dira « Oh, Galates, imbéciles, qui vous a ensorcelé ?» Parce qu'il avait prêché aux Galates, hein, et puis les Galates retournaient à la loi juive, les commandements, etc. Il est en colère, moi. Il se dit que c'est un sanguin, ce Paul. Hein. Ben, je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand on lit ses textes, on sent que ce n'est pas une demi-portion. Hein. « À vos yeux, pourtant, ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en quoi ?» Voilà, dépeints. On a peint les traits de Jésus-Christ. Il faut voir le signe de la croix. C'est au pied de la croix que le centurion regarde et voit quelque chose de charnel, de visible, et dit, oui, cet homme était le Fils de Dieu. Oui. Et c'est important, comment Dieu... on va essayer d'aller jusqu'au bout. Je ne veux savoir qu'une seule chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce pour avoir cru? Ou est-ce pour avoir cru à la prédication de la résurrection? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence pour commencer par l'esprit et maintenant finir dans la chair? Oui. Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas d'image qu'on va être sauvé ou pas? Ou bien parce que dans l'esprit, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu que j'adore et qu'il n'y en a pas d'autre? Pourquoi suis-je sauvé ou pas? C'est ça la question de Paul. Et voilà la question qui nous est posée à nous en préparant Noël, bientôt. C'est celle de l'incarnation. Écoutez bien ce que dit saint Jean. Celui qui était dès le commencement, c'est-à-dire le Dieu invisible. Hein? D'accord? On est tous d'accord? Hein? Celui qui était dès le commencement, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, vu, visible, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, et nous en rendons témoignage.
Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Apparue, vue, touchée, vue de nos yeux, etc., etc. Nous l'avons vue. On a vu quoi ? On a vu la crèche. Luc 2. Hein, les anges ayant quitté les bergers, ils se disent « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » On a besoin de voir la crèche. De la voir. De voir la crèche. Ils se hâtèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Ils ont vu. Il vit et il crut. Ils ont vu. Ayant vu, ils firent connaître ce qu'il leur était. Ayant vu, hein, ils firent connaître. Donc vous voyez, ayant vu le visible, c'est un pléonasme, ils ont fait connaître l'invisible, le Fils de Dieu. Ils ont vu un petit bébé, une maman, un papa. Et pourtant, ils ont reconnu dans l'esprit l'annonce de la venue du Messie. Pareil pour le crucifié. Hein, j'ai cité tout à l'heure le centurion, mais il y a Saint Paul qui dit « Pour moi, quand je suis venu chez vous, frère, je ne suis venu vous annoncer le mystère de Dieu sans le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il y a encore d'autres questions qui sont posées. Par exemple, Jésus qui dit en Jean 6, « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. » Ça, c'est une vraie question à poser d'ailleurs à beaucoup de nos frères qui nous font des reproches sur les images des statues. Là, pour le coup, c'est une vraie parole de Jésus. Ce n'est pas la loi d'Exode 20 que l'on comprend avec une toute petite partie du verset. C'est une vraie question de Jésus, une vraie parole. Jésus dit « Celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne communie pas au corps et au sang du Christ. » À tel point que les gens disent, mais attends, mais comment cet homme-là peut-il nous donner de son corps à manger ? Jean 6, 52 et suivant. Donc c'est une vraie question qui est posée, voyez ? Alors, ce faisant, je ne suis pas en train de critiquer d'autres religions, ce n'est pas ça. Mais j'accepte avec joie les questions qui me sont posées, comme on l'a fait l'année dernière, mais je reviens parce qu'on parle de visible et de l'invisible. J'accepte avec joie les questions que nous posent et que Jeanne, qui est catholique, se pose. Elle a 14-15 ans, elle se pose ces questions et il faut que nous sachions y répondre avec la parole de Dieu, ce qui est assez simple, ma foi. Nous ne faisons qu'un seul corps, ça c'est l'Église. L'Église est le corps du Christ, le corps visible du Christ, c'est vous et moi. Nous le voyons et ce corps visible, il est signe d'une réalité invisible. Et ces questions, elles sont belles, ces questions qui nous viennent de nos frères d'autres religions, ou de nous-mêmes, en lisant la Bible, tout simplement. Hein? Ce qui est beau, c'est le fait que Jésus, par l'incarnation, Dieu a vaincu totalement, rien ne peut nous séparer du Christ. Dieu a vaincu cette barrière entre le visible et l'invisible. Qu'est-ce que j'entends par là ? Celui qui a le Christ, désormais, avant le Christ, je reprends la phrase différemment, avant le Christ, eh bien, on pouvait se tromper, penser que des règles charnelles pouvaient nous conduire vers Dieu ou nous éloigner de Dieu. Vous voyez ? Que si vous aviez une statuette, etc., tout cela devenait une idole puisqu'on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas la grande vérité de Dieu et surtout on n'avait pas l'Esprit Saint en nous. Alors là, il faut absolument lire Romains 7 et Romains 8. Je vais vous le lire pour finir. C'est-à-dire que, mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui peut te séparer du Christ ? C'est-à-dire que tu vois toujours l'invisible à travers le visible. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Si tu n'as pas l'Esprit en toi, tu vas faire du quinbois ? Tu vas avoir peur d'une poupée par-ci, peur d'un geste par-là, d'une parole par-là. Tu vas croire que si tu n'as pas l'Esprit en toi, mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui peut te séparer du Christ, c'est-à-dire de l'invisible. Et c'est ça notre liturgie, notre vie, notre baptême. C'est-à-dire que tout me parle de Dieu, ce micro, vous mes frères, une statue, une croix, tout me parle de Dieu. C'est-à-dire que j'ai accès à l'invisible, parce que je suis dans l'esprit, et ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Une image me parle de Dieu, me donne accès à Dieu, mais je sais que c'est du visible, et je n'adore pas ces images visibles, je ne peux pas les adorer d'ailleurs, parce que j'ai l'esprit en moi.
voyez, et ce danger du charnel est complètement détruit par la religion, par la présence de l'Esprit-Saint en moi. Hein. De fait, dit saint Paul, la loi était impuissante du fait de la chair. Dieu, en envoyant son propre Fils, avec une chair semblable à celle du péché, en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la loi soit accompli en nous, dont la conduite n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit en toi, c'est là la splendide réponse, et c'est ce que nous allons fêter à Noël. Quand tu as l'esprit en toi, il n'y a plus rien qui est charnel. Plutôt, ce qui est charnel devient est au service du spirituel. Ce qui est visible te parle de l'invisible. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 8. Vous voyez, les cieux, la création te parle de l'invisible. Tu ne vois plus que ça. Et nous, on chante signe par milliers, traces de ta gloire. Tout devient signe. Tout devient présence de l'Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci, Monseigneur. Pendant que Vie et Partage va nous permettre de réfléchir à la catéchèse en musique, Marlène passe, si vous pouvez poser des questions, on essaiera d'en sélectionner un certain nombre. Merci, Vie et Partage. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Ici il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil restera debout comme un gardien qui sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, celle de la terre. Soyons pour le monde visage de l'amour, lumière. Dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après Partage. Monseigneur, une première question qui a été posée la semaine dernière mais qui n'avait pas été traitée, qui rejoint un peu le charnel et le spirituel.
Notre sensibilité, notre chair, peut-elle nous faire ressentir, voire toucher le monde invisible? On est au cœur de la question traitée, oui. Mais il ne faut pas s'y tromper. Encore une fois, c'est parce que nous appartenons au Christ. Étant membres du corps du Christ, étant sous l'esprit, sous la mouvance de l'esprit, celui qui est dans l'esprit ne peut craindre ce qui est charnel, voyez. Il ne peut le craindre, il peut se craindre lui-même. Et je comprends, dans une théologie liée à Luther, enfin, je ne suis pas luthérienne, parce que les luthériens c'est autre chose, mais qui a peur de l'homme ou qui se méfie de l'homme comme un pécheur qui ne sera jamais guéri, ah ben, du coup, on n'a pas confiance dans l'esprit. Mais c'est vrai que notre foi catholique, la foi de l'Église que nous affirmons, que nous professons de tout notre cœur, croit que l'esprit nous guide. Et donc, à ce moment-là, pour celui qui appartient, vous voyez, celui qui appartient au Christ, il est comme le Christ, il est membre du corps du Christ. Le Christ est venu dans la chair, il n'a pas eu peur de s'incarner, c'est Noël, c'est ce que nous allons fêter. Mais en venant dans la chair, est-ce que c'est l'esprit qui a été profané, ou bien est-ce que c'est la chair, le monde qui a été sanctifié? Non, c'est le monde qui a été sanctifié. Et lorsque tu appartiens au Christ, tu n'as plus peur de rien, tu n'as plus peur de tomber dans ce qui est charnel, dans une loi avec des interdits. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, c'est marqué. Vous avez entendu ce texte extraordinaire qui dit, mais non, que nul ne vienne vous critiquer sur des questions de nourriture, de boisson, de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Ça n'existe plus, ça, pour celui qui est dans le Christ. Et donc, effectivement, notamment on a vu ça dans la liturgie, le chant, si beau chant, des filles, eh bien, ça nous fait frissonner humainement, mais en même temps, à un moment donné, on dépasse cette beauté, ou plutôt cette beauté comme un véhicule, une voie, une porte ouverte. Les artistes, donc les peintres, les sculpteurs, les chanteurs, les architectes, etc., la beauté d'une lecture, la beauté d'une prédication, etc., la beauté d'une assemblée, me conduit à l'invisible et à l'amour de Dieu. Oui, le charnel, quand je suis dans l'esprit, me conduit à Dieu. Écoutez ça quand même, je voulais vous le citer parce que c'est lié à cette question. Romains 7, 4, 6. Et j'insiste sur les textes de la Bible parce qu'ils sont plus forts que ce que je pourrais dire, c'est évident. Mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi. Il n'y a plus de loi pour vous. Par le corps du Christ, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. De fait, quand vous étiez dans la chair, les passions pécheresses qui se servent de la loi opéraient en nos membres afin que nous fructifions pour la mort. Mais à présent, nous avons été dégagés de la loi. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, c'est qu'elle s'adresse à ceux qui ne sont pas dans l'esprit. Avant le Christ, on n'était pas dans l'esprit. C'est pas que le Deutéronome, Exode, etc. C'est pour cela que dans les préceptes de la loi, il y avait déjà l'esprit. C'est pas une question de tailler ou pas des images. C'est une question de les adorer comme Dieu ou pas. Vous voyez, c'est spirituel tout cela. Et Paul est clair. Et je m'étonne que beaucoup de nos frères qui aiment tant l'écriture ne se rendent pas compte. Frères, vous avez été dégagés de la loi. Vous étiez morts de tout ce qui vous tenait prisonniers. Vous avez été dégagés de manière à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. C'est fort, hein? Romains 7, 4, 6. Donc, effectivement, quand on est dans l'esprit, ce n'est pas le charnel qui gagne, c'est le spirituel. Donc, cette chère Jeanne peut se prosterner devant une statue de la Vierge, mais si elle est dans l'esprit, C'est pas la statue qui est là, qui l'adore. Vous connaissez un catholique qui adore une statue? Quand on est dans l'esprit, on sait très bien que, comme l'image de ma maman, je fais comme ça. C'est pas l'image que je fais. Et pourtant, c'est un geste charnel. C'est un acte spirituel d'amour que je fais. Je dis une bêtise, là?
Non ? Bon. Question suivante. Monseigneur, alors vous parliez de ce signe d'adorer une statue. Question d'un auditeur parvenu à la radio. Peut-on se signer devant une statue ou une icône à l'intérieur ou à l'extérieur d'une église ? Bien entendu. Beaucoup d'entre nous le font. Parce que les signes, encore une fois, signe. Il faut comprendre que la catégorie du signe est au centre de notre vie, tout court, de notre vie d'homme. Nous avons besoin de signes. Entre nous, nous n'arrêtons pas d'échanger des signes. Signe d'amour, signe de haine, signe de communication, la parole est un signe, notre façon de nous habiller est un signe. Et en même temps, à chaque fois, ça renvoie à des choses vraies. Quand mon bien-aimé, ma bien-aimée me dit « je t'aime » ou me pose un geste d'amour, n'importe lequel, je comprends quelque chose de spirituel. Quand je me signe le fameux signe de la croix, qui est si catholique, je fais un geste, si je considère que c'est un geste magique ou marquer un but alors que je suis un joueur de foot brésilien, non, ça ne marche pas devant Dieu, c'est pas. Mais si je sais que je m'habille du Christ, je dis « mais Seigneur, je t'appartiens dans tout mon corps », etc. Je me rappelle par un signe à quel point je suis consacré à Dieu, eh bien cet acte est un acte spirituel. Bien sûr, il est visible, il est charnel, il est tout ce que vous voulez, puisque je le fais avec mon bras, etc. Mais il est spirituel, puisqu'il me conduit dans l'Esprit Saint, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, à poser un acte spirituel. Alors une question qui, effectivement, mérite d'être posée. Jésus, en partant, n'a-t-il pas dit « vous n'aurez plus de signes » Ne faut-il donc pas se méfier des signes ? Vous n'aurez plus de signes. On peut citer le verset ? Non, c'est pas... C'est pas là, je suis désolé, je pose la question, non, je ne sais pas. C'est que c'est pas dans ce sens-là. Alors parce que c'est le contexte. C'est les Juifs qui demandent un signe et les païens, je ne sais plus quoi. C'est un signe... Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas, dit-il. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'on a le signe, le signe suprême. C'est quoi ? C'est le signe de la croix. Comment Dieu peut-il nous montrer son amour autrement que par la croix ? D'ailleurs, c'est une question que les plus dominants, les chrétiens, se posent. Est-ce qu'il aurait pu nous sauver autrement que par la croix ? Je ne sais pas, moi, en faisant des crêpes au beurre. J'aime beaucoup les crêpes au beurre. Ils nous ont invités dans un... Voilà. C'est un signe d'amour, en faisant un câlin. Il l'a fait, il a lavé les pieds de ses disciples, ça ne suffisait pas. Non, il a voulu, Philippiens 2, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et donc, tous les autres signes sont morts, enfin ne sont rien devant le signe de la croix et de la résurrection. Maintenant, il y a des miracles, mais ce n'est pas à cause des miracles que l'on croit. Il y a des gens qui ont vu des miracles et qui ne croient pas. C'est parce qu'ils croient à l'amour. Encore une fois, si le plus grand milliardaire de la Terre vous offre à vous une bingue avec, mais vous ne croyez pas en son amour, ben elle n'a aucun sens. Par contre, si vous savez qu'il vous aime jusqu'à mourir pour vous, cette bague, elle représente quelque chose. Même si c'est le garçon le plus pauvre de la terre qui vous offre voilà, un truc qu'il a taillé dans une canette de Coca-Cola. Vous savez qu'il vous aime. Mais c'est plus précieux que le plus grand des diamants. Donc comme tous les signes que Dieu nous donne dans nos vies, et devenir chrétien, c'est ça. Une fois que tu as vu le signe de la croix, tu as compris ce que c'est pour toi, après tu vois des signes d'amour partout de Dieu, partout, toute ta vie. Même quand on te déteste, même quand tu es malade. Même quand tu as l'article de la mort, même quand ceux que tu aimes sont... Tu vois la présence de Dieu. Elle est là, présente. Tu es là, présent, livré pour nous. Monseigneur, on n'adore donc pas une statue représentant la Vierge ou les saints. Pourquoi adore-t-on un morceau de pain représentant le Christ ? Pourquoi l'Eucharistie n'est-elle pas, elle aussi, avant tout une représentation ? Pourquoi est-ce réellement le corps du Christ ? Parce qu'il l'a dit, et que il est le Verbe, la parole de Dieu, il l'a dit. C'est très fort comme question, c'est vrai. Que faisons-nous ? Par contre, pour le coup, nous n'adorons aucune statue parce que nous sommes dans l'esprit. On vénère, comme on vénère, encore une fois, la photo de maman, ok, on vénère. C'est-à-dire qu'on
on sait que cet objet me permet d'aller plus loin, est un signe pour moi. Bon, très bien. Mais pourtant, par contre, on adore que Dieu, on adore l'hostie. Parce qu'il a dit, ceci est mon corps. En créole, vous savez, j'aime bien traduire mi commun. Lorsque des personnes lui ont dit, comment tu peux nous donner ta chair à manger? Lorsque tous ses disciples l'ont abandonné, sauf les 12, à cause de cette parole, Jésus ne les a pas retenus en leur disant, écoutez, mais non les enfants, je plaisantais, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, ça ressemble, c'est un symbole, c'est pas vraiment ma chair, c'est pas vraiment mon sang, mais il aurait pu leur dire ça. Non, non, il a insisté et il s'est tourné vers Pierre et lui dit, Pierre, vous aussi vous allez m'abandonner? Et vous connaissez la réponse de Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette parole-là est une parole de vie éternelle, ceci est mon corps. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne, celui qui ne veut pas comprendre, qu'il ne comprenne pas. Mais dans le corps du Christ, c'est le seul moyen d'être sauvé, il le dit. Et là, on adore, parce que c'est, et là on est au sommet de ce que j'ai envie de vous dire, du lien entre le visible et l'invisible. Et c'est la réalisation, c'est le réel de ce que Saint Jean dit dans son premier, dans sa première épître, ce qui était dès le commencement, celui que nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe de vie. Attends, le Verbe de vie, il est Dieu. Celui aussi, il dit, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. On l'entendra le matin de Noël. Ben Dieu va le toucher de nos mains, le voir, si c'était le corps du Christ. Et c'est ce corps que nous recevons dans l'Eucharistie. Incroyable. Incroyable pour celui qui n'a pas la foi. Incroyable pour celui qui n'est pas dans l'esprit, parce que tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas. Cela ne se comprend pas, cela ne s'explique pas. C'est la foi. Il l'a dit. Et puis, il y a la foi de toute l'Église qui est derrière. Alors justement, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Alors, le Verbe est-il la création de Dieu, comme le disent les témoins de Jéhovah? L'Eucharistie est le signe par excellence. Ne suffit-il pas pour nos yeux? Ne suffit-il pas pour... L'Eucharistie est le signe par excellence. Ne suffit-il pas ce signe pour nos yeux? Donc il y a deux questions. Hein? Oui, deux questions. Bientôt, je vous annonce un scoop, qui n'est pas tout à fait un scoop, mais en latin, dans le credo, on ne dit pas que le Fils est de même nature que le Père, on dit qu'il est consubstantiel. Et bientôt, on va revenir à cette traduction-là. C'est une traduction, hein. C'est une traduction de l'original, c'est comme le Notre Père, c'est pas Notre Père qui a changé, hein. C'est la traduction française, c'est tout, hein. En anglais, dans les autres langues, c'est juste une traduction. Bon. Consubstantiel, ça veut dire qu'il a la même substance, que c'est un unique et même être. Donc le Verbe est Dieu. Bon, maintenant c'est la révélation, je parle à des chrétiens. Le Verbe est Dieu. Et il est créateur. Dieu dit, donc c'est par la parole, c'est par le Verbe que Dieu crée. Par son Verbe, qui est Dieu, c'est tout. Bon. La deuxième question, est-ce que l'Eucharistie suffit à nos yeux? Oui, elle devrait suffire, exactement comme le câlin que je reçois de ma maman le jour de mon anniversaire, ou à la fête des mères, ou quand je lui rends visite, devrait me suffire. J'ai pas besoin de sa photo. Vous voyez ? J'ai pas besoin de sa photo. Parce que j'ai ma maman en vrai. Mais si j'habite loin ? Et puis au jour le jour, même si elle est tout près, si au jour le jour j'ai envie de penser à elle, ou à ma bien-aimée, ou à mon bien-aimé, ou etc. Parfois j'ai besoin de penser à celui qui a donné sa vie pour moi. Je n'ai pas l'Eucharistie, bien sûr je mange le corps du Christ une fois par jour, mais parfois j'ai besoin
comme ça, le signe, je touche ma croix, tu es là, Seigneur. C'est pas la croix. La croix, c'est un signe. Vous voyez, comme quand quelqu'un qui vous aime vous donne un cadeau, vous le tenez sur vous, vous repensez. Donc ça devient, encore une fois, un acte spirituel. Donc, on peut dire que les objets saints, donc la réponse, la question est vraie, ça suffit, l'Eucharistie. D'ailleurs, ça suffit pour faire vivre l'Église. Et tous les autres signes qui me sont donnés sont seconds par rapport au très saint sacrement. Mais ils me conduisent vers le très saint sacrement. La parole de Dieu est un signe. Elle me conduit vers le très saint sacrement, où elle prolonge mon adoration. Le scapulaire que je porte me conduit à rester dans l'adoration. C'est pour ça qu'il est écrit « Priez sans cesse ». Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Comment on fait pour prier sans cesse, Seigneur ? On a tellement de choses à faire, etc. Ben oui, seulement parce que quand on est devant le Saint-Sacrement, on prie, on est devant, on est dans l'adoration. Ceux qui adorent, adorent en esprit, en vérité. Mais après, on prolonge cette adoration dans nos vies de tous les jours, en ayant sur nous une croix, un chapelet dans notre... quelque chose qui nous rappelle, parce qu'on en a besoin, parce que, vous le savez très bien, quand on oublie, l'homme vit dans le temps, il a besoin de revenir à Dieu. C'est pour ça qu'il y a la liturgie, c'est pour ça qu'il y a des gestes, des signes, il y a des piqûres de rappel, pour qu'il ne puisse jamais lâcher sa vie spirituelle. Qu'il ne puisse, enfin, au minimum, retomber, même quand il est dans des situations totalement profanes. Monseigneur, vous avez cité l'Ancien Testament, quand Dieu demande à Moïse d'élever le serpent sur son bâton. La Sainte Vierge a demandé de frapper la médaille miraculeuse. Et puis la croix du précieux sang aussi a été demandée par Jésus dans un sanctuaire africain. Comment devons-nous interpréter ces demandes ? Alors d'abord, ce sont des grâces mystiques données à des mystiques. Donc, risque de vous déplaire, Saint Dominique n'a jamais eu de médaille miraculeuse sur lui. Eh bien oui, parce qu'il est du XIIIe siècle, et la médaille miraculeuse, c'est 19e siècle. Voilà, bon, ben oui. Pourtant, il est saint. Donc, là aussi, il faut toujours faire attention. C'est pour ça que nous sommes interrogés, et que cela est bon par nos frères, des autres religions, comme on dit chez nous, des autres communautés chrétiennes, en disant, on ne comprend pas votre affaire. Donc, à chaque époque, l'Esprit suscite, par des mystiques ou par l'Église, qui va valider ou pas. La communauté, les fidèles, dit, ça, on sent que ça vient de Dieu pour nous aider, au cours de cette période, à avancer, d'ailleurs pas tout le monde, forcément, à avancer dans la foi. Donc il y a des messages qui nous viennent, qui viennent confirmer ou à faire avancer un grand nombre de chrétiens. Vous chantiez tout à l'heure un chant de Medjugorje, je ne saurais pas le prononcer aussi bien que vous. Il y a des moments, des lieux, Lourdes, Fatima, la rue du Bac, bien sûr, la médaille miraculeuse, des signes qui, à chaque époque, renouvellent dans la ferveur, on dit la piété, le don de piété est un don de l'Esprit Saint, la piété du peuple de Dieu. Et ces signes, voilà. Alors, j'aime à rappeler, quand je parle de la médaille miraculeuse, le beau commentaire du père N, le père Christian N, l'oncle du père Emmanuel, du foyer de charité de Martinique. Et le père Christian disait que la médaille miraculeuse, en fait, il y a toute la Bible. En fait, c'est un résumé de la Bible. Et c'est vrai, quand on médite tous les signes qui sont sur la médaille miraculeuse, du serpent aux étoiles, il y a la femme qui traverse toute l'Écriture. Le signe de la femme, de la fille de Sion, etc., à toute époque. La Vierge Marie, bien sûr, la femme dans le ciel, Ève, etc. Et de l'autre côté, enfin, on a toute l'Écriture et toute la spiritualité, le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie. Enfin, on est vraiment dans une théologie totalement biblique. C'est un petit résumé de la Bible. C'est extraordinaire. Monseigneur, plusieurs questions tournent autour de la parole de Jésus, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang, la vie éternelle ». Pourquoi n'a-t-on pas droit au sang dans la communion habituelle ?
Et puis, pourquoi donc il n'est pas possible dans toutes les églises, dans certaines c'est possible, mais dans d'autres pas, de communier au sang du Christ? Et plus globalement encore, comment être en paix avec Dieu? Car quand nous sommes en faute et pécheurs et malades, c'est là que nous aurions besoin d'être sauvés, d'accéder à la vraie vie, car celui qui ne mange pas ma chair ne sera pas sauvé. Je commence par la fin. Nous sommes tous pécheurs, malades, tout le temps. Et en même temps, tous sanctifiés, guéris, tout le temps, justement par cette vie spirituelle qui est, relancée en nous, réactivée en nous, par ces éléments, les signes, qui sont parfois charnels autour de nous. Le temps de Noël est un moment de retourner à Dieu. Bon, on peut retourner à Dieu à n'importe quand, tout le temps. Mais là, toute l'Église va aller sortir de ses ténèbres, pour, etc. etc. Bon. Donc, on a tout le temps besoin. Il y a des moments où nos péchés nous coupent de la grâce divine. Et il y a une autre pédagogie, qui est celle du désir. Le désir de communier va me pousser à changer de vie. Parce que vous voyez, le danger, il faut reconnaître, on pense surtout aux personnes qui sont divorcées ou mariées, ou de toutes les situations dans lesquelles on ne peut pas communier. Mais du coup, on pourrait s'installer, et il y en a qui le font, dans l'Église, il faut le reconnaître, qui s'installent dans le péché, par exemple le péché de médisance, ou le péché d'une certaine dureté avec les gens, d'égoïsme, de jugement. Ça ne se voit pas, hein. Mais on s'installe dedans et puis on communie tous les jours. Et on fourbit, ça se dit en bon français, ça, de la division dans son milieu professionnel, dans le monde social et politique. Mais on communie tous les jours, on s'installe dedans. Et parfois, le fait d'arrêter de communier, il y a beaucoup de personnes qui se sanctifient en ne communiant pas. Parce que si elles communiaient, elles s'habitueraient à un état de péché. Et l'Église utilise, enfin l'Église, la conscience conseille aussi, l'Église conseille cette pédagogie-là pour se réajuster à Dieu. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, c'est vrai. Mais, vous voyez, et souvent, c'est vrai que c'est douloureux pour nous tous, la souffrance de certains hommes, certaines femmes qui ne peuvent pas communier. Des situations, somme toute, pas si graves que ça. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des machins, des fauteurs de troubles. Puis en même temps, je ne peux pas ne pas voir qu'il y a une sanctification profonde dans le désir de communion de tant d'hommes et de femmes qui, n'étant pas dans une situation qui leur permet de communier, ce désir va les pousser à aimer Jésus encore plus. Et c'est vrai aussi. Ce serait beaucoup plus grave que de les voir communier sans s'interroger une seconde sur, en restant dans un état qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cela dit, nous tous, aucun indigne, chacun est invité, dit la chanson, c'est vrai. C'est vrai. Donc on a besoin aussi du corps du Christ pour avancer. Bon, il y a des situations pastorales. Alors il y avait une deuxième question qui le était... Le sang, la communion au sang du Christ. C'est facile. Deux réponses. La première, c'est que oui, l'idéal, c'est que tout le monde... C'est pas qu'on n'a pas droit au sang du Christ. Eugène Mona chante ça dans une chanson, elle n'a pas même ni droit le calice. Bon. Non, si, tout le monde a droit au calice. Encore faudrait-il... Ça pose des problèmes pratiques évidents quand même. Vous voyez, c'est le sang du Christ. Donc si les gens ne savent pas communier, ne savent pas tenir le calice, on ne leur a pas appris, après il faudrait 10 litres de sang du Christ à chaque fois. Comme on manipule, c'est un liquide, c'est beaucoup plus difficile. Et puis je vous rappelle tout simplement que au jour de la première messe, celle des disciples d'Emmaüs, eh bien, il n'y avait pas de sang du Christ, il y avait le corps du Christ. Alors, il y avait certainement une coupe de vin que le Christ avait béni, mais il leur a donné uniquement le pain. Donc, quand on communie au sang du Christ, on ne communie pas plus, on communie mieux. Au sens, c'est plus parfait. Donc, mon rêve pour ce diocèse, c'est que l'on puisse, de façon, donc on y travaille, on y pense avec les prêtres, je vois que ça s'améliore quand même, la façon de communier, parce que déjà, la communion au corps du Christ, ce n'était pas gagné, hein.
je trouve que ça, globalement, dans les paroisses, les gens comprennent de plus en plus que c'est vraiment le corps du Christ. Parce qu'on n'a pas l'impression, quand on voit les fidèles communier, moi, les premiers mois, je vous avoue, comme évêque, j'ai failli me dire, mais peut-être qu'il n'y a pas le corps du Christ. Enfin, j'exagère quand je dis ça, hein, mais à force de voir des gens communier, en tout cas, je ne croyais pas dans la foi de mes frères, hein, de beaucoup d'entre eux. On se dit, mais est-ce qu'ils croient vraiment que c'est le corps du Christ que l'on adore, qu'ils reçoivent ou pas? Qu'est-ce qu'ils reçoivent à la messe? C'est un morceau de pain qu'on vient prendre dans le regard, j'ai communié, ou bien c'est quoi? Ou est-ce qu'ils ont vraiment la foi que c'est le corps du Christ? Enfin, pas trop exagérer dans des signes, dans des gestes, mais enfin quand même, il y a cette adoration du corps du Christ que l'on reçoit. Bon, donc, mais maintenant que ça s'améliore, on peut penser peut-être davantage, on va y travailler avec les prêtres, avec les ministres de communion, le travail n'est pas encore fait, donc on ne le fera pas tout de suite, à une communion par intinction. Mais par contre, c'est rigoureusement interdit que le fidèle fasse lui-même l'intinction. Vous voyez, les personnes qui prennent le corps du Christ, et puis on a mis une coupe là, ils vont tremper, et puis, non, ça c'est interdit par l'Église, parce que, encore une fois, il y a du n'importe quoi. Donc c'est le ministre de communion qui fait lui-même l'intinction, et on reçoit le corps du Christ sur la langue. Point. Monseigneur, c'était la dernière question, le temps est écoulé. Voilà. Merci. On va se confier à la miséricorde de notre Dieu en disant ensemble notre Père. Nous prions aussi pour cette petite confirmande, qui m'a envoyé cette lettre, qui est passionnante et qui m'a servi de base pour travailler sur la question des statues, des images, icônes ou idoles, le monde visible qui me conduit vers l'invisible. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. La semaine prochaine, nous ferons un petit résumé de tout notre premier trimestre. Donc, il n'y aura pas de thème particulier. Puis nous allons poser des questions sur tous les sujets que vous voudrez, du monde visible, invisible ou autre chose, d'accord? Donc à la semaine prochaine pour notre dernier rendez-vous du trimestre. Chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre,
bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Dans tes bras, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.